Le Japon d'aujourd'hui, tout le monde connaît. La troisième puissance mondiale. Le pays le plus moderne de la planète. Dire que nos grands-parents considéraient ces Japonais avec mépris, comme de petits nains jaunes. Jamais ils ne pourraient nous ressembler. Jamais ils ne pourraient nous rattraper. Eh bien, ils l'ont fait. Et en moins d'un siècle. Dans le port de Yokosuka, les Japonais conservent pieusement la vieille carcasse d'un cuirassé du siècle dernier, le Mikasa. Et tous les ans, à bord du Mikasa, ils célèbrent l'événement qui a marqué leur entrée fracassante sur la scène internationale. La victoire de Tsushima, au cours de laquelle l'escadre du Mikado a écrasé la flotte du tsar de toutes les Russies, devant le monde stupéfait. C'était le 27 mai 1905. Il y a 70 ans. Pendant des siècles, le Japon avait été un pays interdit, mystérieux. Tout étranger qui entrait dans l'empire du soleil levant était condamné à mort. Tout Japonais qui tentait d'en sortir avait la tête tranchée. Un pays immobile, figé dans ses traditions millénaires. Mais depuis 50 ans, derrière ce décor immuable, bien des choses étaient en train de changer, comme l'explique M. Motono. Oui, en 1905, c'est le Japon qui est sorti de 2,5 siècles d'isolation. Juste 50, un demi-siècle après l'arrivée de l'amiral Perry, qui avait ouvert notre pays. Le jeudi 14 juillet 1853, le commodore Matthew Perry de la flotte des États-Unis avait apporté une lettre de son président à l'empereur du Japon pour lui offrir un traité d'amitié et de commerce. C'était une date. Le Japon allait-il enfin s'ouvrir au monde ? Je crois qu'à ce moment-là, il y avait eu une division d'opinion au sein du pays. Ceux qui voulaient moderniser, ouvrir le pays, entrer en relation amicale avec les pays occidentaux et construire une nation moderne. Les autres s'opposaient à cela. Il y avait un accent de xénophobie très marqué, je crois. Malgré la résistance des shoguns, dictateurs féodaux, l'empereur Meiji, qui avait 16 ans au moment de la mission de Perry, avait fait son choix dès ce jour-là. Et 20 ans plus tard, les traditionalistes étaient forcés de s'incliner devant cet empereur, pourtant poète et philosophe, qui avec toute sa cour donnait l'exemple du modernisme et qui avait décidé de faire du Japon une grande puissance. C'est à cause de cela que nous avons envoyé
boursiers, de jeunes boursiers faire des études à l'étranger, et même des hommes politiques sont allés et explorer et en Europe les systèmes constitutionnels. Et d'autre part, nous avons reçu beaucoup de conseillers et pour les réformes des codes, par exemple, civils et pénals. Et aussi bien que dans le domaine de la technique, nous avons reçu beaucoup d'ingénieurs. Alors, il y a eu beaucoup de courants dans ce sens-là. Les Européens se moquaient de ces jaunes qui nous singeaient en tout, au point de déguiser leur garde impériale en Saint-Cyrien. Ils avaient tort de sourire. À l'école de l'armée prussienne, l'armée du Mikado devenait redoutable. À l'école des ingénieurs anglais, l'industrie japonaise commençait à inonder l'Europe de ses produits à bon marché. Déjà. Tout en étant fascinés par les merveilles de la technique occidentale, les Japonais, fiers de leur tradition, rendaient bien leur mépris aux Européens. Aussi l'Orient et l'Occident restaient deux mondes à part, qui se regardaient en chien de faïence. L'instinct humain est de voir, dans un sens péjoratif, des personnes qui appartiennent dans une autre région. Alors du côté japonais, on disait que les Européens étaient des barbares avec les cheveux rouges et les yeux bleus. On était très choqués que les barbares européens mangeaient par exemple de la viande. La viande n'était pas mangée au Japon selon l'esprit bouddhiste. Et on considérait que les Européens ne comprenaient pas l'esprit artistique, les valeurs de la philosophie du Japon. De philosophie, le Japon déclare la guerre à la Chine en 1894 et débarque sur le continent, histoire de se faire les dents. Premier objectif, la Corée. Sur terre et sur mer, les forces japonaises qui allient les techniques modernes à la férocité des samouraïs ne font qu'une bouchée des armées chinoises. Au Japon, c'est une explosion d'orgueil et de nationalisme délirant, presque religieux. Au cri de Banzai, à nous l'Asie, un nouvel impérialisme est né. Au bout de quelques mois, la Chine demande grâce et elle accepte de venir signer un traité de paix à Shimonoseki en 1895. Le Japon victorieux dicte sa loi. Il exige d'abord une forte indemnité, car cette guerre lui a coûté cher, et pour la faire, il a dû emprunter beaucoup d'argent à son ami l'Angleterre. Il obtient aussi des concessions territoriales, l'île de Formose, et sur le continent, Port Arthur, et une sorte de protectorat sur la Corée. Mais le Japon va être privé de sa victoire. Il n'aura ni Port Arthur, ni la Corée, car il se heurte à un autre impérialisme, celui de la Russie, qui va le battre de vitesse. En 1898, en effet, la Russie signe avec la Chine un bail de 25 ans sur Port Arthur. Un port indispensable pour elle, car Vladivostok, sa seule fenêtre sur le Pacifique, est bloquée par les glaces 4 mois par an. Elle obtient aussi l'autorisation de construire 2 voies ferrées à travers la Mandchourie pour relier le Transsibérien à Vladivostok et à Port Arthur. Sous prétexte de surveiller les travaux, 100 000 soldats russes occupent la Mandchourie. C'est que le tsar entend bien avoir sa part du gâteau chinois, que se disputent déjà les autres puissances occidentales. Il envoie des cosaques sibériens jusqu'en Corée pour protéger une concession forestière qu'il a financée sur le fleuve Yalu. Occupation pacifique. Pourquoi se gêner avec ces jaunes ? Les soldats du tsar ne pourraient même pas distinguer un japonais d'un chinois. Avec Port Arthur, la Russie compte bien faire la loi dans le Pacifique. Elle y installe 7 cuirassés, 6 croiseurs et 25 contre-torpilleurs. Elle en fait une forteresse imprenable, avec une garnison de 50 000 hommes.
ce serait bientôt la Constantinople de l'Extrême-Orient. La Sainte Russie pourrait enfin remplir sa mission historique en Asie. La Russie qui, dans une atmosphère mystique, avait couronné son nouveau tsar Nicolas II, 2 ans plus tôt, en 1896. Un tsar tout-puissant, qui règne sur le plus vaste empire du monde, des rives de la Baltique à celles du Pacifique, et sur 126 millions de sujets. Une véritable tour de Babel, avec ses Turkmènes, ses Ouzbeks, ses Kalmouks et ses Mongols. Pour tous, le tsar est l'envoyé de Dieu, l'incarnation de la Russie éternelle, comme l'explique l'historien René Giraud. L'Empire de Russie, c'est d'abord l'empereur, le tsar autocrate de toutes les Russies. C'est le maître des sujets, le maître des terres, c'est le grand justicier, c'est le chef de toutes les administrations, c'est le chef des armées, c'est le chef de la flotte. Mais c'est aussi plus que cela, c'est le Batyushka tsar, le tsar petit père. Et alors, qui est ce personnage vers 1905? C'est Nicolas II. Nicolas II, petit, falot, sorte d'officier, père de famille, qui est en même temps dominé par sa femme, par ses proches. Aussi, tandis que la Russie entre dans le XXe siècle, il aurait sans doute fallu un nouveau Pierre le Grand. On avait un Nicolas le médiocre. Derrière le tsar, en apparence, une cour où l'étiquette règne en maître, où il ne manque pas le moindre bouton de guêtre, mais en fait, derrière cette apparence, une société qu'on pourrait appeler une société bloquée. Une société bloquée parce que l'administration, qui en est le plus vivant symbole, est elle-même une bureaucratie bloquée. Dans cette bureaucratie, qu'on retrouve aussi bien dépeinte chez Gogol, chez Tchekhov, chez Tolstoï, tous les auteurs russes insistent, et ils ont raison, ils insistent sur le fait que cette société, cette bureaucratie tatillonne, veule envers les supérieurs, dure, tranchante à l'égard des inférieurs, est une société, est une bureaucratie, est une société dans laquelle toute innovation est considérée comme un péril et dans laquelle il faut surtout, surtout suivre les avis du tsar. Les Moujiks sont pauvres, très pauvres, mènent une vie très dure. Et surtout, ces Moujiks se considèrent comme étant sans terre. Ils sont liés au Mir, ils sont liés à la commune, et ce qu'ils voudraient, c'est la terre à eux. Aussi, ils sont plus des révoltés que des révolutionnaires, mais ils sont prêts à suivre ceux qui voudraient leur donner la terre. L'industrie s'est tellement développée de son côté, tellement rapidement, qu'une véritable crise de surproduction, surproduction relative, se fait sentir en 1901, 1902. Et à ce moment-là, les ouvriers eux-mêmes vont être touchés, ces nouveaux ouvriers si nombreux maintenant, et ils vont former eux aussi cette sorte de pâte révolutionnaire dans laquelle les partis révolutionnaires pourront agir avec efficacité. La diffusion des mouvements révolutionnaires ou des idées révolutionnaires dans le milieu ouvrier peut s'expliquer d'autant plus aisément que la presse clandestine se développe largement au début du XXe siècle. Par exemple, l'Iskra, le journal des bolcheviks, l'Étincelle, qui désormais atteint largement tous ces milieux, mais aussi peut-être parce que les ouvriers sont réceptifs non seulement à leur propre misère, mais à la corruption qui règne dans toutes les industries, par exemple dans les charbonnages, où si l'on suit les avis d'un consul de France à Kharkov, il faudrait tout de même en arriver, et je le cite ici,
à ne pas permettre que du surveillant de la mine au gouverneur de la province, chacun se serve ou se fasse servir, suivant son grade, qui un sac, qui un wagon de charbon. L'armée impériale, elle, possède 1 600 000 hommes et passe pour la plus forte du monde. Bien sûr, elle ne rêve que de conquêtes. En Europe, il n'y a plus rien à espérer. Alors pourquoi pas l'Asie? Là-bas, au bout des 11 000 km du Transsibérien qui est presque achevé, l'attendent toutes les richesses de la Chine. La tâche sera facile. Jusqu'à présent, le tsar n'a même pas eu à utiliser la force. Il a obtenu tout ce qu'il voulait des Chinois à coup d'or, en les aidant à payer leurs dettes de guerre au Japon. Pour faire sa guerre contre la Chine, le Japon a dû acheter des armes en Angleterre. Il doit donc de l'argent en Angleterre. Mais le Japon, pour se payer, va demander à la Chine une indemnité. Comme la Chine n'a pas d'argent, elle demande de l'argent à la Russie, sa voisine, qui va bien lui prêter, à condition d'obtenir le passage du trans-mandchourien à travers la Mandchourie. Mais comme la Russie elle-même n'a pas d'argent, elle va les demander à la France, son allié. Et l'un des emprunts russes sera ainsi fourni pour payer la Chine. Mais cet emprunt russe que la France fournit, finalement la France n'a pas besoin de l'envoyer en Russie, puisque la France a beaucoup plus vite fait de le virer à Londres, puisque Londres finalement doit être payé par les Japonais. Tout ceci s'est réglé par un jeu d'écriture à Londres. Ensuite, au-delà même de cette aventure, de cette péripétie financière, la Grande Russie et le Petit Japon veulent tous deux prendre en Chine, dans cette Chine qui est en train, semble-t-il, de s'écrouler, les mêmes territoires. La Mandchourie, la Corée. Surtout parce que la Corée était toujours considérée comme une sorte de territoire qui était comme un poignard sur le flanc du Japon. Et si cette péninsule était occupée par une puissance étrangère, cela constituait une menace à la sécurité et du pays. La guerre est inévitable. Les Japonais s'y préparent depuis 4 ans. En 1904, leur armée, entraînée, aguerrie par les victoires de Chine, est prête à repartir en campagne. D'ailleurs, le Japon ne se sent plus seul. Il a signé en 1902 une alliance avec l'Angleterre, jalouse de l'expansion russe en Asie. Maintenant, il a les mains libres. Tout le pays est galvanisé à l'idée de venger l'honneur national bafoué par les Russes. Chaque soldat japonais a le sentiment que l'existence même de son pays est en jeu. Avec l'aide de l'Angleterre, le Japon s'est aussi constitué une flotte moderne, l'égale de l'escadre russe du Pacifique. Tout est prêt. Le moment est venu de frapper un grand coup. Le 8 février 1904, 5 flottilles de torpilleurs japonais se glissent par surprise dans la rade de Port Arthur. Ils ont lancé 18 torpilles à 400 mètres des bateaux russes qui étaient à l'ancre. Bilan, 3 cuirassés et un croiseur avarié. Les plus belles unités de l'escadre russe. C'est la première fois que les Japonais emploient cette tactique qui va devenir une tradition. Attaquer sans déclarer la guerre pour frapper l'ennemi de stupeur. En même temps, les armées japonaises débarquent en Corée. 190 000 hommes, parfaitement équipés, parfaitement entraînés. Sans perdre de temps, ils traversent le pays et marchent sur le fleuve Yalu, qui sert de frontière à la Mandchourie. Le nain attaque le géant. Ce n'est pas une surprise, cette guerre. Ce qui est une surprise, c'est le type d'attaque. Ce n'est pas une surprise, car au fond, toute la politique russe a mené vers cette guerre. Mais peut-être même, non seulement la politique extérieure, mais le désir du tsar et de certains de ses conseillers
d'avoir une petite guerre courte sur ces macaques japonais qu'on vaincra facilement et qui pourraient en même temps redonner un prestige perdu à cet empire russe, à ce tsarisme. Alors les caricaturistes russes s'en donnent à cœur joie. La Sainte Russie va terrasser le dragon japonais. On n'en fera qu'une bouchée de ces petits singes, disaient les soldats. On va leur couper le nez, disaient les marins. Les formidables armées russes étaient forcément invincibles, puisqu'elles combattaient pour le tsar, pour Dieu et pour la patrie. Aussi l'état-major n'a pas pris cette guerre au sérieux. À quoi bon se donner du mal pour une expédition coloniale contre des indigènes? 100 000 gaillards y suffiront largement, pensait-on. Les mitrailleuses sont inutiles, leur avait enseigné le général Dragomirov. Attaquez debout, visez lentement, et ne tirez que lorsque vous êtes sûr de votre coup. Mais voilà que les choses tournaient mal. Les 100 000 hommes allaient être suivis par 200 000 autres, puis 300 000 encore. 600 000 hommes à transporter à l'autre bout du monde. Ce n'est pas une petite affaire. Surtout que le Transsibérien est à voie unique. Quand il prend la fantaisie à un général d'arrêter son train spécial pour la nuit, tout le trafic est bloqué. Et après la plaine glacée de Sibérie, les Cosaques doivent encore franchir les montagnes de Mandchourie par moins 20 degrés. Et au bout de cette longue route, ne les attend pas la gloire, mais toute une série de défaites humiliantes. Les Japonais qui débarquent tout le long des côtes les ont battus sur le Yalu en avril, puis à Liaoyang à l'automne. Dès l'été, Port Arthur est encerclé et déjà assiégé. Que faire pour stopper le déferlement japonais? Une seule solution, s'assurer la maîtrise des mers pour couper leurs lignes de communication. Mais depuis février, l'escadre russe de Port Arthur, elle aussi, joue de malheur, comme l'explique l'historien Jacques Mordal. Le plus grave s'est passé quand le nouveau commandant en chef désigné pour commander l'escadre du Pacifique, l'amiral Makarov, le héros légendaire de la marine russe, a été tué par l'explosion d'une mine. Ça a été pour les marins de l'escadre d'Extrême-Orient un choc moral considérable. De fait, le remplaçant de Makarov, l'amiral Witteft, a voulu quelques semaines plus tard, exactement au mois d'août, faire une sortie désespérée vers Vladivostok. Cette bataille a très mal tourné. Witteft a été tué sur la passerelle du Césarevitch avec tous les officiers qui l'entouraient et ça s'est terminé par une fuite éperdue des bâtiments russes dans toutes les directions. À Saint-Pétersbourg, à la même époque, le tsar fête la naissance de son fils Alexei. Enfin un fils après 4 filles. Quelle joie! Mais les nouvelles des désastres lointains de Mandchourie lui gâchent son plaisir. Il faut faire quelque chose, employer les grands moyens. Alors il décide d'envoyer en Extrême-Orient l'escadre de la Baltique. Une magnifique escadre. On l'a préparée pour cela depuis des mois. 4 cuirassés tout neufs. Le Suvarov, le Borodino, l'Alexandre III et l'Orel. Plus 3 cuirassés de modèles plus anciens, 8 croiseurs et 9 torpilleurs. 22 beaux bâtiments de guerre, avec tout un train de ravitailleurs, un navire hôpital et un navire atelier pour les réparations. En tout, 45 unités qu'on baptise la 2e escadre du Pacifique. Le tsar a confié cette armada à l'amiral Roger Zvinsky. 55 ans, grand, bel homme. Un marin à poigne, taciturne, autoritaire et violent. Dans un moment de colère, il a jeté ses jumelles par-dessus bord au cours de manœuvres devant le Kaiser. Un beau scandale. Énergique et fataliste à la fois, il a accepté de tenter cette mission impossible. Car la route est longue de la Baltique à Port Arthur. 35 000 kilomètres.
Une aventure incroyable pour l'époque. 35 000 kilomètres sans un port russe, sans aucune aide à espérer de quiconque, sans être même sûr d'arriver à temps pour sauver une situation déjà bien compromise. Oui, le temps presse, mais il faut sans cesse retarder le départ, car les bateaux sortent à peine des chantiers de Kronstadt. Les télémètres ne sont pas au point, le blindage est trop mince. Il faut rectifier, réparer, ajuster. Il faut aussi former des équipages. On a été obligé de recruter des moujiks qui ne connaissent rien à la mer et à qui il faut tout apprendre en quelques semaines. Roger Svensky commence à s'apercevoir que cette belle armada est un colosse au pied d'argile. Qu'importe, toute la Russie suit les préparatifs avec enthousiasme. Les journalistes du monde entier viennent contempler les noirs titans d'acier aux tourelles menaçantes. Et toute la noblesse de Saint-Pétersbourg vient danser dans les bras des futurs héros. Tandis que sur les chantiers et dans les soutes, où on travaille jour et nuit, les ouvriers et les marins russes commencent à grogner. Sur le pont des navires, le champagne coule à flot. Jamais les officiers de Sa Majesté le Tsar n'ont été aussi insouciants et confiants dans l'avenir de la Russie éternelle. À Paris, la dernière génération des officiers de la marine impériale en exil possède un cercle où ils viennent évoquer le passé. Certainement, c'était des beaux bateaux. Mais il y a des types différents. D'un côté, les modernes. De l'autre côté, c'est Soyvili qui oscillable du même type d'un bateau, son confrère qui était un peu retardé, Pirisvet. S'il aurait pu avoir un bon entraînement, bonne préparation, bon équipage, n'est-ce pas, on pourrait considérer que c'était vraiment des bateaux qu'on pourrait être fiers. Et s'il n'y avait pas de bonne relation entre les officiers et les matelots, il n'est pas possible qu'on aurait pu forger quelque chose qui a si vaillamment combattu et pari à Tsushima. Les relations étaient toujours excellentes d'un cœur à l'autre. C'est là qu'il faut surtout insister que c'est le cœur qui jouait le rôle. Nous ne sommes pas des Allemands, nous sommes des Russes et qui vivent avec leur cœur. Enfin, la devise, pour ainsi dire, qui n'était ni forcée ni artificielle de la Russie, des forces armées russes, était pour la foi, le souverain et la patrie. Le 14 octobre 1904, enfin le départ. Dans une atmosphère de liesse, le tsar est venu lui-même, avec les popes, bénir les monstres d'acier qui emportent tous les espoirs de la Russie. Le 20 octobre, cinq jours plus tard, l'escadre arrive dans la mer du Nord. Premier incident. Dans la nuit, le navire atelier Kamchatka signale qu'il est attaqué par des torpilleurs japonais. Des Japonais, dans la mer du Nord, à 30 000 kilomètres de chez eux. Ouvrez le feu, commande l'amiral. Après 10 minutes de canonnade, on allume les projecteurs. Horrible méprise. Il s'agissait de bateaux de pêche danois et anglais. Dans le noir, les Russes se sont tirés les uns sur les autres. Bilan, 3 navires endommagés, un chalutier coulé et quelques pêcheurs tués. C'est l'incident diplomatique. L'Angleterre proteste et menace. Toutes les chancelleries d'Europe s'agitent. L'incident du Doggerbank aurait pu être pour les Français l'occasion d'un gigantesque quadrille. Si les Français n'avaient pas été les alliés des Russes. Et des alliés d'autant plus gênés que, quelques mois auparavant, ces mêmes alliés français s'étaient enfin mis d'accord avec les Anglais pour supprimer leur rivalité dans les colonies. C'était le début d'entente cordiale. Alors nous étions fort mal placés. D'un côté, si nous soutenions les Russes, nous nous heurtions aux Anglais. Si nous soutenions les Anglais, nous nous heurtions sinon aux Russes, du moins nous nous heurtions aux Russes épaulés des Allemands.
imbroglio diplomatique dans lequel les Français se sentaient fort gênés, le gouvernement se sentait fort gêné. Que faire? Arroser davantage la presse? C'était une solution. Elle fut retenue. On avait déjà copieusement, depuis le début de la guerre, et surtout depuis le début des insuccès, des défaites russes au Japon, on avait déjà pris l'habitude de verser des mensualités à l'ensemble de la presse française. Mais cette fois, il fallut les augmenter. Laissant aux diplomates le soin de réparer les dégâts, l'escadre russe, penaude, poursuit sa route vers le sud. Début novembre, Tanger. À ce moment-là, Roger Zvinsky coupe sa flotte en deux. Il envoie ses bateaux les plus vieux et les plus lents par le chemin le plus court, le canal de Suez. Mais lui-même a peur que les torpilleurs japonais, encore eux, ne viennent l'attendre à la sortie du canal. Avec ses beaux cuirassés tout neufs, il préfère faire le tour de l'Afrique. Pendant ce temps, les Japonais font toujours le siège de Port Arthur. Pour le général Nogi, qui commande les troupes de siège, c'est maintenant une course de vitesse. Il faut prendre le port avant l'arrivée de l'escadre russe. Il a rassemblé près de 90 000 hommes autour de la forteresse. Par trois fois, en août, en septembre et en octobre, il a donné l'assaut. Des attaques suicides. Il a perdu près de 26 000 hommes, mais enfin. L'infanterie japonaise a creusé 40 km de tranchées où on se bat à la baïonnette. L'artillerie dispose de 500 canons et de 18 mastodontes, des obusiers de 280. Elle a déversé près d'1,5 million d'obus sur la ville. Mais rien n'y fait. La garnison russe résiste héroïquement depuis trois mois. L'escadre russe longe maintenant les côtes d'Afrique et chemin faisant, l'amiral Roger Zvinsky ordonne exercice sur exercice. Qui sait, d'ici le Japon, il arrivera peut-être à faire de ces moujiks de vrais matelots. Mi-novembre, escale à Dakar, puis à Libreville. Non sans mal, la Russie a obtenu l'accord de la France, neutre mais bienveillante, pour faire relâche dans ses colonies, pour se ravitailler en charbon. Le charbon, c'est l'obsession, car il faut faire le plein toutes les semaines. La compagnie allemande, Hambourg America, a accepté d'envoyer des navires charbonniers à chaque escale. Mais chaque fois, on frôle l'incident diplomatique. L'Angleterre et le Japon font pression sur les autorités locales. Il faut faire vite. Et pour l'occasion, on inventera même le ravitaillement en mer. De peur d'en manquer, on en bourrait les soutes jusqu'à la gueule. On en mettait dans les coursives, on l'entassait sur le pont et jusque dans la cabine des officiers. C'était l'enfer noir. Comme disait un officier russe, nous n'étions pas dans le charbon jusqu'au cou, mais jusque par-dessus les oreilles. Les ponts des bateaux n'étaient même plus utilisables normalement. Les matelots ne pouvaient pas y circuler pieds nus comme c'est la mode, l'habitude très, très fréquente dans toutes les marines. On avait été obligé d'approvisionner de grandes quantités de bottes et un des transports avait transporté des bottes de rechange pour les équipages. Le 2 janvier 1905, Port Arthur est tombé. Le général Stössel, qui commande la garnison, a décidé de capituler après 148 jours de siège et de rendre la forteresse au général Nogi. Il n'y a plus de munitions, plus de ravitaillement, plus rien. 25 000 Russes sont faits prisonniers. Plus de la moitié de la garnison ont été tués. Ils ont fait payer cher leur victoire aux Japonais, qui ont eu 58 000 tués, dont les deux propres fils du général Nogi. Celui-ci accorde pourtant les honneurs de la guerre au général Stössel, que le tsar, lui, condamnera à mort. Quelle victoire pour les Japonais, sur terre et sur mer. Maintenant que Port Arthur est entre leurs mains et que la première escadre russe du Pacifique est détruite, la flotte japonaise est maîtresse sur les mers.
Son chef, l'amiral Togo, qui a hissé sa marche sur le cuirassé Mikasa, a pourtant un nouveau souci. Cette seconde escadre russe qui cingle vers l'est, dit-on, et qui se trouve quelque part en Afrique. Togo, c'est l'homme des premières victoires, l'homme de l'attaque surprise contre Port Arthur, l'homme sur qui va reposer le sort de l'Empire du Soleil Levant. Un grand marin et un bon élève de la Royal Navy, selon le vice-amiral Nakamura. L'amiral Togo était fils de samouraï. Il était né en 1847. Donc, il était un marin de naissance. Il était très calme et surtout, il est un homme de sincérité. Et tout le monde de la flotte avait confiance en lui. Il a été envoyé en Angleterre et il est entré dans une école de marine marchande. Et il a été formé en Angleterre. Amiral Togo était très fier de sa flotte. La qualité de bateau japonais était très excellente, très moderne. La qualité des officiers et des marins était aussi très excellente, parce que le japonais était des très bons marins de nature. Et nous avons la tradition très splendide de la victoire. L'escadre russe, qui file péniblement 8 nœuds à l'heure, se hâte lentement. Après une escale en Angola, elle a doublé le cap le 19 décembre. Là, un ouragan a failli engloutir tous les cuirassés, chargés de charbon à couler bas, et qui piquaient du nez dans les vagues de 14 mètres de haut. Par miracle, ils sont passés. Et ils arrivent à Madagascar le 7 janvier, où ils retrouvent l'autre partie de l'escadre qui est venue par Suez. Et ils vont rester là, à Nosibé, pendant 2 mois. En arrivant, ils ont appris la mauvaise nouvelle, la chute de Port Arthur. À quoi bon continuer, commencent à se demander les marins découragés. De toute façon, Saint-Pétersbourg a donné l'ordre d'attendre de nouveaux renforts commandés par l'amiral Nebogatov, de vieux cuirassés que les marins ont baptisés en ricanant les coulent tout seuls. 2 mois à attendre sous la chaleur humide des tropiques, dans des coques d'acier chauffées à blanc par le soleil. Et les rats, le scorbut, la malaria, les belles indigènes, les maladies vénériennes, les beuveries, aucun équipage n'y résisterait. Des révoltes ont fini par éclater, et il a fallu transformer un des bateaux en prison-hôpital. Pourquoi aller se battre dans cette sale guerre coloniale, alors que les derniers journaux annoncent qu'une révolution a éclaté en Russie, le 22 janvier. C'est un dimanche, le dimanche rouge, à Saint-Pétersbourg. Des milliers et des milliers de malheureux, des hommes, des femmes, des enfants, conduits par un pope, se pressent devant le palais d'hiver. Ils veulent remettre au tsar une pétition contre la misère, l'oppression, l'esclavage. Les Cosaques ont tiré dans le tas. Y a-t-il eu 140 morts, comme le prétend la version officielle, ou 4000, comme l'écrivent les journaux? Peu importe, le sang a coulé. Le dimanche rouge, c'est essentiellement la cassure, mais la cassure quasi définitive, entre le tsar et son peuple. Le tsar a fait tirer sur le peuple, il ne peut plus être le Batioushka tsar. Mais c'est aussi parce qu'une vague de grève considérable va suivre ce dimanche rouge, grève de solidarité. C'est aussi le fait que désormais tout se passe à l'intérieur de la Russie et que de continuer une expédition navale, c'est un véritable contresens, c'est une inutilité. Bientôt, une vague de grève va déferler sur la Russie, où la guerre du Japon est de plus en plus impopulaire. Les premiers soviets ne sont plus loin. C'est la répétition générale de la révolution d'octobre. Qu'Eisenstein a évoqué dans son film « La grève ».
16 mars, sans crier gare, l'amiral Roger Zvinsky quitte Madagascar. Il en a assez d'attendre. Au diable les renforts, les coule tout seul. Il met le cap à l'est et on perd sa trace dans l'océan Indien. Le monde entier s'interroge. Par où va-t-il passer? Va-t-il faire le tour de l'Australie? Pas du tout. Il a pris au plus court. Et trois semaines plus tard, le 5 avril, il est signalé dans le détroit de Malacca, devant Singapour. La surprise est complète. Les journaux applaudissent l'audace de Roger Zvinsky. Il a joué les Japonais qu'il attendait plus bas, dans le détroit de la Sonde. Mais à Singapour, il apprend encore une mauvaise nouvelle. En Mandchourie, les armées russes battent partout en retraite. Un mois plus tôt, elles ont subi une défaite décisive près de Mukden, la capitale de la Mandchourie. Les combats ont duré une semaine. 350 000 Japonais contre 300 000 Russes. Les Russes ont perdu 80 000 tués ou blessés, 19 000 prisonniers, 58 pièces d'artillerie. Un désastre. Sur Terre, c'est la fin. Imperturbable, Roger Zvinsky poursuit sa route. Mais à Kamran, en Indochine, il reçoit l'ordre impératif du tsar d'attendre les renforts de l'amiral Nebogatov. Il va perdre encore un mois, un long mois à attendre. Il en profite pour essayer de remettre en état ses navires éprouvés par 7 mois de navigation dans les mers chaudes. Les coques sont couvertes d'algues et de coquillages qui freinent la marche. Les cabestans sont rouillés. Le 9 mai, voilà enfin les renforts. Allons, en route maintenant. C'est la dernière étape. Après ce long périple, après tant d'émotions, tant d'épreuves, après des mois d'attente exaspérante, on va enfin toucher au but. Mais quel but ? Port Arthur est aux mains des Japonais. Sur terre, les armées russes sont battues. Sur mer, Togo monte la garde. Pour gagner Vladivostok, le seul port russe, Roger Zvinsky a deux solutions. La plus prudente, faire le tour du Japon. Mais il a peur de ne pas avoir assez de charbon. Toujours le charbon. Alors il choisit la solution la plus audacieuse et la plus dangereuse. Prendre au plus court, entre la Corée et le Japon, par le détroit de Tsushima. Qui sait? Peut-être va-t-il une fois de plus réussir à tromper les Japonais. Amiral Togo était sûr que la flotte russe passerait par le détroit de Tsushima. Et il a fait la résolution de non seulement de gagner la bataille, mais anéantir la flotte de l'Ouest. Togo ne s'est pas trompé. Dans la nuit du 26 au 27 mai, Roger Zvinsky s'engage dans le détroit de Tsushima avec ses 45 navires. Le ciel est couvert, la nuit est noire. Dans l'obscurité, l'escadre russe réussit à se faufiler. Mais à 5 heures du matin, le navire hôpital, tous feux allumés selon les règlements internationaux, est repéré par un patrouilleur japonais. Dans la base de Mazampo en Corée, où la flotte japonaise est en embuscade, branle-bas de combat. Imitant Nelson avant Trafalgar, l'amiral Togo signale à ses équipages « Le sort de la patrie dépend de cette seule bataille. Que chacun fasse son devoir. » 6h34. Togo prend la mer à bord du vaisseau amiral Mikasa, suivi de 12 cuirassés, 10 croiseurs et plus de 40 torpilleurs.
dans un grand panache de fumée, l'escadre japonaise fonce à 18 nœuds à travers le mauvais temps pour couper la route à l'ennemi. 13h40, voilà le signal. L'ennemi est en vue. Mais Togo a mal calculé ses distances. Il est arrivé trop tôt en travers de l'escadre russe qui file péniblement 10 nœuds. Alors il décide de faire demi-tour par une manœuvre hardie. La manœuvre qu'a fait Togo pour se tourner là, c'est-à-dire le demi-tour par la contre-marche, tous les bateaux tournant au même point et se suivant les uns les autres, était très dangereuse parce que pendant la durée de l'évolution, les bâtiments qui sont ici, par exemple, se présentent face, la tête en avant vers la ligne russe, sans pouvoir se répondre puisqu'ils se masquent les uns les autres. Elle aurait pu coûter très cher à Togo si la distance avait été un peu moins grande, d'une part, et si, d'autre part, les Russes avaient mieux tiré. En fait, ils n'ont pas tellement mal tiré, car le Mikasa, par exemple, le bateau amiral de Togo, a reçu un certain nombre de projectiles à ce moment-là. Grâce à sa vitesse supérieure, Togo réussit sa manœuvre. Il se place sur une ligne parallèle à celle des Russes, rattrape la tête de la colonne, et à 2h05, ouvre le feu sur les quatre cuirassés russes de tête. Le tir des Japonais est d'une précision redoutable. 2h20, les cuirassés Borodino et Alexandre III sont en feu. Le Suvarov sort de la ligne, gravement endommagé. À bord, l'amiral Roger Zvinsky a été blessé grièvement. À 3 heures, l'Osliabia est coulée. En 1 heure, la partie est déjà jouée. L'amiral a été blessé relativement tôt dans le combat et a perdu toute possibilité de commander effectivement l'escadre. À ce moment-là, un commandant de torpilleurs a eu l'initiative, qui du point de vue marin était exceptionnelle, d'aborder le cuirassé en flammes, pas sous le vent à cause de la fumée, mais au vent, ce qui était un très grand danger. Il a maintenu son navire le long du bord du cuirassé déjà en perdition, on a transbordé l'amiral, et à ce moment-là, et son état-major, tous les survivants de l'équipage du vaisseau amiral, donc le Suvorov, a crié « débordez, débordez, ne noyez pas l'amiral », et quand l'amiral s'est trouvé à bord, tous les restes survivants ont crié « hurrah », ce qui montrait comme ils étaient heureux que l'amiral était sauvé à bord d'un torpilleur, cependant que pas un seul homme du cuirassé n'a voulu sauter lui aussi à bord du torpilleur et se serait sauvé. Tout est perdu. Il ne reste plus à la flotte russe qu'à sauver l'honneur et à mourir en beauté. Son agonie va durer 24 heures. Troués de part en part, les cuirassés russes se battront jusqu'au dernier obus et couleront l'un après l'autre avec tout leur équipage à bord. Quand le navire amiral Prince Suvorov n'était plus qu'une épave, avec déjà l'amiral l'ayant quitté et n'ayant plus qu'une pièce de 75 mm, pendant la nuit, il a été attaqué successivement par des torpilleurs japonais qu'il est arrivé à chasser avec son unique pièce. Il n'a semblé que dans la nuit, on ne sait pas très bien ni quand ni comment. Mais les Japonais ont certifié que ce navire qui n'était qu'une épave s'est défendu jusqu'au bout et les attaques des torpilleurs japonais ont échoué chaque fois. Pendant toute la nuit et au petit jour, c'est l'Alali. Plus de 80 torpilleurs japonais donnent la chasse aux débris de l'escadre en déroute et les achèvent un par un. La flotte russe a sombré pavillon haut. Une seule ombre au tableau. L'amiral Nebogatov, le commandant des fameux renforts, les coule tout seul, s'est rendu avec ses 10 bâtiments. 5 000 hommes d'équipage ont été faits prisonniers
par les petits hommes jaunes. Toute la Russie se voile la face de honte. De la magnifique armada partie glorieusement de la Baltique, 5 petits bâtiments seulement ont échappé au désastre. Tous les autres ont été coulés. 6 000 marins sont morts. L'amiral Roger Svinsky a été fait prisonnier. C'est un nouveau Trafalgar. À Tokyo, c'est du délire. Oui, le nain a écrasé le géant. Devant le monde étonné, une nouvelle puissance est née. Une puissance asiatique, une puissance jaune, avec laquelle il faudra compter désormais. Les vainqueurs, le général Nogi et l'amiral Togo, sont fêtés comme des héros. Ils vont servir de modèles aux générations futures. Car à partir de ce moment-là, le Japon, grisé par la victoire, va se mettre à rêver les rêves les plus fous, chasser les Blancs d'Asie pour en devenir les maîtres. Un homme a vécu ses jours de gloire, l'amiral Wamami. Oui, cet homme a participé à la bataille de Tsushima. Il avait 22 ans, il était midship. Aujourd'hui, il a 92 ans. Je me souviens que les cheminées des bateaux russes étaient peintes en jaune doré. C'était un spectacle tout à fait grandiose. Cette bataille était une victoire complète. Il n'y en a jamais eu de pareille. Une victoire idéale, il n'y a pas d'autre mot. Évidemment, le Japon a perdu la dernière guerre. Malheureusement. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? En Russie, un mois plus tard, le 25 juin 1905, l'équipage du cuirassé Potiemkin se révolte à Odessa. Une des conséquences de la défaite de Tsushima. Un prélude à de grands bouleversements où va sombrer l'empire des Romanov.